Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, hommage au film Avatar à travers une pièce de chez Hot Toys, une pièce qui a déjà son âge, une pièce qui a sa petite histoire, il y a de quoi parler. Andrés va d'ailleurs venir me rejoindre tout de suite pour cela, mais avant de vous faire découvrir la pièce, comme on a l'habitude de le faire, rendre hommage à ce film qui avait vraiment fait énormément de bruit lors de sa sortie, surtout notamment à cause de ou grâce à la fameuse 3D. Petit bond dans le temps et on se retrouve juste derrière pour découvrir cette pièce de chez Hot Toys. Salut André, tu vas bien? Oui, ça va. Bah écoute, la pièce impose. Il faut dire que ces avatars sont géants. Pourtant, la pièce en elle-même est tirée donc du personnage Jacques Sully. Échelle 1 sixième. Entre guillemets, parce que là, c'est pas du 1 sixième. En réalité, le truc, c'est que quand il rentre dans le monde de Pandora, ils ont une tendance à grandir. Mais c'est vrai que 40 cm, si on compare ça avec les autres pièces, 1 sixième, bon là, c'est du 1 quart. Mais bon, c'est presque le double, quoi. Voire le triple. Il doit faire une trentaine de centimètres, et les 1 sixième, 10 cm de plus. Il doit se rapprocher des 3 mètres, hein, un truc dans le genre. Des belles bestioles. Donc voilà. Une pièce qui a toute une histoire, parce que je ne vous cache pas que c'est une de mes grandes déceptions de ma collection. Je l'ai découvert, c'est une pièce qui date, on n'en est pas certain, mais tu me disais Andrés, 2009-2010. 2009, je dirais aussi, en même temps que le film, ou 2010, a tout cassé. Donc voilà. Le film m'avait vraiment bien plu, comme à tout le monde d'ailleurs. Surtout de par la fameuse 3D, il avait complètement tout défoncé, comme on dit, il avait tout ravagé. Quantité de gens qui ont dû acheter des téléviseurs grâce à ce film. C'est ça. Et pas seulement, ça a duré, ça a lancé la mode des films en 3D, quoi. Ouais. Notamment après ça, moi j'ai vu Avatar. Et après Avatar, quelques mois après ou quelques années après, c'était Réponse, le meilleur film entre guillemets en 3D, Réponse de Disney. Donc qui donnait assez bien, quoi. Je pense qu'on n'a jamais plus réussi à toucher la perfection qu'avait touché James Cameron. Il aurait mieux fait de lâcher le secret à tout le monde, parce que beaucoup se sont cassés les dents avec. On s'était dit, si le début de la 3D c'est ça, qu'est-ce qui nous attend après, quoi.
Donc, mais bon, on va arrêter de parler technique. C'est surtout on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur cette pièce-là, mais c'était juste pour vous dire que bon, bah, j'avais été fasciné par le film, peut-être aussi grâce à sa 3D. Et donc, en tant que collectionneur, j'ai tout de suite voulu avoir une pièce dédiée au film. Évidemment, il faut choisir la bonne. J'ai cherché, et celle-ci m'a fasciné. Juste un petit problème, j'ai toujours été beaucoup plus accro de la résine que du PVC. Mais bon, les images qu'on me vendait à l'époque étaient tout bonnement magnifiques. Du prototype. Ouais, du prototype. Okay. Ouais, de l'après-co. Ouais, je mets sur le côté ou quoi que ce soit. Il y avait un petit socle, il y avait un light-up, le personnage était génial. Et puis quand on reçoit la boîte, ben c'est comme nous qui aimons le cinéma, un peu comme dans Jurassic Park. Au début, on est émerveillé quand on voit cette boîte. C'est vrai qu'elle est... Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est formidable. On se dit, ça y est, là, je tiens à quelque chose d'extraordinaire. Et puis, l'intérieur. On va le découvrir, justement, maintenant, l'intérieur. Là, ça dépend des gens, ça dépend de monsieur tout le monde. Vous-même, vous ferez une idée. Moi personnellement, cette belle boîte était en bas, gentiment rangée dans le garage, et je l'ai remontée dans un premier temps pour faire la vidéo, et le reste, ben ça vous le découvrirez à la fin de cette vidéo. Assez parlé, Andrés, on va attaquer à l'ouverture. On attaque l'ouverture. Donc la première chose, la boîte. Hein, vous la voyez, la boîte, elle est franchement géniale. Slipcover cartonné. À l'arrière, les warnings à l'arrière. Le nom de la pièce, enfin, ouais, le nom du personnage, ouais. Jack Sully, Avatar. Bon, là maintenant. Donc voilà, vous voyez la boîte, donc boîte vitrée. Là, on commence à se dire, faut aimer le monde d'Hot Toys. Sinon, ben, la boîte en elle-même. C'est toujours aussi beau, hein, par ce côté vitré. Mais le titre ici au-dessus, Avatar sur le côté. Andrés va tout vous filmer. Pandora, magnifique. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Oh. Et à l'arrière, les warnings. Alors, je vous lis un peu. Avatar, Collector Edition, MMS 159, Jack Sully. Et évidemment, toutes les personnes qui ont travaillé sur cette pièce. On va l'ouvrir, on va la poser ici sur le plateau tournant. Le plateau tournant, et on se retrouve tout de suite. Oui. Donc la voici, pas trop compliquée à monter. Après, faut un peu chipoter. Made in Hot Toys, moi, c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, quelque part, Andrés, je me souviens que je te connaissais déjà quand j'ai acheté la pièce. Je t'avais téléphoné, que je l'avais reçue, que j'étais tout foufou. C'était la première année même, je crois. Ouais, c'était la première année. Et puis, à l'arrivée, ben, je t'avais dit, ouais, quoi, tu es déçu. Voilà, j'ai été un peu mitigé. J'ai essayé de l'exposer un peu... Tu me rappelles, tu étais à côté de la télé, non? Ouais, à un moment donné, j'ai essayé de pouvoir profiter d'elle un maximum, mais franchement, je me suis jamais trop... Ouais, il n'y a pas eu ce... Non, j'ai jamais eu le coup de foudre. Pour la pièce, même si je reconnais que, Il y a beaucoup de détails dessus, que ce soit les cheveux, la tête et les accessoires. Ouais. Il n'y a rien à dire sur le travail, c'est juste qu'elle ne te plaît pas, quoi. Elle est bien réussie, hein. Ouais. Il est en mode combat, comme on dit. Ah ouais, ça, écoutez, plutôt que de parler comme ça dans le vent, vous la faire découvrir, on va essayer de lui faire une ou deux pauses. On va essayer, parce que c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, voilà, là, ici, vous l'avez dans la pose classique. On va essayer de vous trouver deux, trois petits trucs. Et puis, on se retrouvera derrière pour donner les points forts de cette pièce, les points faibles, son prix, le point de vente éventuel. Bonne nouvelle, déjà, je vous dis... pas très compliqué à trouver. Et puis bon, moi, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que si j'avais une chose très claire en tête, c'est que je devais absolument lui faire une vidéo. Et ensuite, après ça,
on verra ce qui se passe. Andrés, je te demanderai, comme d'habitude, de venir faire ton boulot. Hein. Les 360, comment? Les 360 ouais. degrés. Essaye là de la ressortir dans... Au mieux. Au mieux. C'est ton job, tu fais ça super bien. Et on se retrouve, nous, perso, juste derrière.
Andrés, tu t'es un peu déchaîné dessus. Ton avis à toi, en gros, en gros, ça, en gros. En gros. Bon, écoute, vous avez vu un peu ce qui se passe vis-à-vis de la pièce en elle-même. Pour une Hot Toys, moi, je trouve qu'elle est hyper réussie, quoi, tu vois. Il y a eu pire d'autres pièces où tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé là. Le personnage ne ressemble pas. Même si là, en l'occurrence, c'est un personnage fictif. Mais je vois la texture de la peau et tout, elle est bien retranscrite ici sur la figurine, quoi. Le seul bémol que moi je dirais, c'est la difficulté de les poses. Les poses, elles sont, enfin, j'ai touché un peu le bras et compagnie, elles sont bien, mais à faire ressurgir un peu le comme dans le film, quoi, on va dire. J'exagère peut-être, mais dans des pièces où il y a, dans la résine notamment, il y a beaucoup de pièces où c'est vraiment, comment on dit, les cinématiques, quoi, où tu vois en action le personnage et il est figé. Et, enfin, voilà, on retrouve plus de vie dans d'autres pièces que celle-là, quoi. Enfin, je sais pas, maintenant, c'est peut-être nous qui savons mal. Non, moi, je pense que pour bien comprendre ceci, il faudrait faire les points forts et les points faibles, mais déjà, une chose, elle porte déjà le nom Hot Toys. Toys, bah ouais, c'est un jouet, c'est du plastique. Non, mais tu vas pas donner ça à ton gamin. Ben, enfin normalement, pas à ce prix-là, mais c'est tout ce que tu viens d'évoquer ici sont les points forts d'Hot Toys, c'est-à-dire les détails, les costumes, tout ça. Tu vois bien ça, hein, les petites perles, tu les as bien filmées là tantôt. Ouais. Tu touches, oh ben, dis donc, eh ben ouais, c'est vraiment des perles. Les petites plumes. C'est pas du PVC. Oh ben ouais, c'est des plumes. C'est pas du. Les cheveux, tu dis, oh mais c'est bien fait en plastique. Oh ben non, tiens, on va dire, c'est des cheveux. Ça, niveau détail, ils sont très forts. Le HS, le visage, pouf, c'est la perfection. C'est superbement bien fait. En plus pour l'époque. 2009, aux alentours. Et j'ai envie de te dire un peu que c'est tout pour moi pour les points forts, parce que si les détails sont présents et le HS également, le reste pour moi fait énormément. Ça fait trop Toys, quoi. Ces jointures pour moi, c'est vraiment insupportable. Ouais, sur le côté, ici, les cuisses, au bord de la mâchoire. C'est ça qui me tue. Dans cette pièce-là, les genoux, ouais. Tu vois ça, c'est l'arrière, oui, l'arrière, c'est. Et on sait pas les masquer puisqu'il a même pas de vêtements, quoi. Enfin. non. Oui. Voilà, c'est ça, quoi. Tout est remis là. Parce que je me rappelle que tu avais dit que tu craquais sur Obi-Wan. Version Hot Toys. Mais je t'ai dit aussi je te l'ai dit aussi, une fois que tu prends cette pièce là, que tu l'exposes, tu peux d'ailleurs laisser une photo. Il est avec ça sous ta tête, tu ne vois qu'est-ce que tu vois de la pièce. Le visage. Justement que les points forts. Le visage. Ouais. Les détails, les tenues, le visage. Là c'est pas le cas. Là, le bébé. Là tu peux rien faire. Ici tu vois vraiment tout. À nu, voilà. À nu, franchement, pour moi les points forts, c'est ce que je viens d'évoquer maintenant, hein. Tous les petits détails de la pièce. Son visage, son HS, le fait que ça soit un Toys, bon, pour moi, c'est un point négatif, mais il y a un point positif aussi, c'est que contrairement à une pièce en résine, ben, tu peux le mettre ici, sobrement, avec son couteau, tu peux changer avec son flingue, tu peux le mettre quasiment même accroupi à ce niveau-là, il y a plein de possibilités. Mais c'est tout pour moi pour les points positifs. Pour les points négatifs, le prix. D'entrée de jeu, une Hot Toys, c'est 300-350 euros. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça ne chipote pas. Les nouveautés, les précommandes et compagnie commencent à 350 euros. Quoi. 300-350. Toutes ces jointures, moi, c'est horrible, je ne peux pas. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui a fait que... Et alors, aussi en point faible, ça c'est un point très négatif, le socle. Quoi. Là, franchement, quand on voit ce socle, quand on voit ces plantes, je me souviens en proto à l'époque, j'ai wow, quel bonheur, quoi, c'est magnifique, c'est quand même du foutage de gueule de voir ici ces petites loupiotes, hein, ben c'est, je veux dire, c'est toute cette petite végétation translucide, hein, parce que qui ne s'allume pas, ouais. Alors qu'il y a un light up, la seule chose qui s'allume, c'est justement à l'endroit où on ne s'y attend pas, et c'est super bien vu aussi. C'est le moment où il fallait rajouter sur Pandora, mais toute cette verdure aurait dû être, s'il vous plaît, quoi. Là, je rallume. Allumé. On ne voit rien, quoi. Ouais. C'est vraiment, peut-être qu'en vidéo, il y aura un autre rendu, mais non. Je vois déjà le bazar.
Mais le truc, c'est qu'ils auraient dû rajouter quelques loupiottes ici dans la végétation. Bien sûr. Et je sais pas si c'est si compliqué de ça. S'ils ont réussi à mettre une loupiote verte par terre, rajouter une loupiote verte ici dans le, le soutien, et ça aurait irradié sur les côtés, tu vois, ne fût-ce que ça, quoi. Non, non, là, mais ici, là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, franchement. Ça manque ça, il manque ça. En arrivant à ce point-là, juste un petit coup de peinture en dessous du pied, ça aurait, mais toute cette verdure. Doit être allumée, et puis ça, ça fait vraiment plante d'aquarium, c'est vraiment, le socle est, franchement... Et Baclet, pour toi? On aurait pu faire tellement mieux sur ce film, franchement. On aurait pu faire tellement mieux. Là, franchement, moi, je suis... elle est dans le garage depuis quelques années. C'est pas un hasard. Et, donc voilà, quoi. En gros, c'est une pièce que je regrette, franchement, d'avoir achetée. Une pièce que je regrette d'avoir payé près de 300 € à l'époque, je pense. Et parce que peut-être que vous aurez la même impression sur cette vidéo, en voyant la vidéo. Non, c'est génial, mais c'est génial en image, en photo, ça arrive souvent. Et puis quand on l'a en main, boum, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que pour mettre tout le monde d'accord, cette pièce-là n'aurait pas dû dépasser les 200 boules. À l'époque c'était déjà presque 300 et aujourd'hui malheureusement j'ai fait quelques petites recherches là. Entre 400, 350, 380, ça dépend des personnes, mais ça dépasse au-delà des 350-400 €, quoi, et voire plus dans certains revendeurs. Moi je pense que toute personne qui s'intéresse au monde de la figurine via le fabricant Hot Toys, aimera cette pièce. Oui, parce que, à fond. Mais bon, moi, personnellement, j'ai quelques pièces, Hot Toys, mais je me lance dessus quand il n'y a vraiment rien à côté, comme le petit Marty de Retour à le futur. J'ai tellement aimé le film que je vois le personnage, Michael J. Fox. Comme tu le dis souvent, puisqu'ils ont déjà, ils ont fait pareil avec Bitsui, le visage est beaucoup plus facile à faire en PVC ou en plastique. C'est ça. Que dans la résine, parce que la résine, c'est très très compliqué, mais c'est clair, quoi. S'il n'y a rien d'autre que ça, tu prends, quoi. Donc, pour moi, une chose était claire, c'était de remonter cette pièce à la surface, elle était au garage dans le sous-sol, la remonter. Il y avait une chose que j'étais sûr, c'est que je me devais de faire une vidéo sur celle-ci, parce que le film a tellement marqué que je me suis dit ça serait bien de faire cette pièce-là. Je ne vous cache pas que le fait de refaire des vidéos sur les pièces de ma collection, à vous, je suppose, et je sais aussi surtout que ça vous plaît, il y a qu'à lire vos commentaires et vos likes. Mais à moi, l'air de rien, ça me permet aussi de les redécouvrir, de les revaloriser, de me rendre compte un peu qu'il y a du potentiel. Non, qu'il y a une beauté en plus parfois. J'en suis venu déjà depuis 2 ans qu'on fait ces pièces-là à avoir une de mes pièces tournée ici autour et de me dire si je l'aurais pas, je la racheterais. C'est ça. Quand tu revois les vidéos, t'as envie de dire. Elle est bien. Alors qu'une fois qu'on la possède, c'est un peu comme un grand écran de projection. La première fois qu'on voit un film sur un énorme écran, on se dit qu'on est l'homme le plus heureux du monde, et 2 mois après on est habitué à l'image, quoi. Donc c'est chouette de refaire toutes ces vidéos, de la redécouvrir. Donc je l'ai redécouvert, mais moi personnellement mon avis ne change pas. Je n'ai jamais trop accroché avec cette pièce, j'ai jamais vraiment eu le coup de foudre. Juste parenthèse, tu n'aurais pas déjà en vue d'autres pièces, une autre pièce du monde d'Avatar? Bien sûr, j'aimerais bien en avoir une en résine, et j'espère que pour la sortie du 2 qui s'annonce à longue vue, niveau marchandising, il y en aurait une. J'ai vraiment rien contre le film, c'est surtout contre cette pièce-ci qui fait vraiment beaucoup trop toys
à mon goût et que je regrette d'avoir acheté. Comme je vous disais, je me devais de faire la vidéo, c'est chose faite. Essayer de la redécouvrir, ça marche pas. Maintenant la question se pose, quoi. Où je la mets à l'ordre du jour, comme j'ai l'habitude de le faire pour certaines pièces, de la mettre vraiment dans un beau socle avec une vraie végétation, mais franchement. Parce que oui, je vois ce que tu veux dire par rapport au plan d'aquarium. S'il vous plaît, quoi. Franchement, il y a vraiment tellement moyen de tellement faire mieux sur ce film. C'est franchement. Surtout point de vue light-up qu'on a déjà travaillé. Une pièce pour Noël prochain où le sol s'illumine aussi. Enfin, on pourrait s'imaginer ça, mais bon, je serais partant, mais le problème qu'il y a, c'est que ces jointures-là, ça me dérange énormément, ça fait vraiment beaucoup trop toil, c'est, la vendre, franchement, je ne sais pas, j'en ai vraiment aucune idée. Laissez-moi vos impressions sur cette pièce. Ça m'aidera peut-être à me décider. Hein. Peut-être que je sais pas, après avoir vu la belle blonde derrière toi. C'est clair, quoi. C'est un autre. Je vais pas gâcher. Hein. Je vais pas baquer le travail, mais je vais faire de mon mieux. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui même moi. Le socle, comme je dis, c'est vraiment, c'est bâclé, quoi. C'est bâclé. Moi, je trouve que c'est bâclé. On aurait pu vraiment faire tellement mieux sur le film. Surtout s'ils ont pensé à déjà mettre du light-up. Il devrait y avoir que des light-up, s'il vous plaît. C'est ça. On a que la pointe des pieds qui s'allume. Non, plus ces jointures. Écoutez, le film, à défaut d'autre chose, le film mérite d'être remonté lui aussi à la surface. On vient de le faire ici. À travers cette pièce. Et bon, c'est pas parce que moi et Andrés on est un peu froid sur cette pièce. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de chez Hot Toys qui l'adorent. Je le sais parce que j'ai déjà vu la présentation de cette pièce chez d'autres youtubeurs. Et ils l'adorent. Ah ouais, ils adoraient. Comme je t'ai dit, chacun a ses goûts et ses préférences, quoi. Donc. Voilà, s'ils adorent, ils adorent. C'est leur monde et nous, on a le nôtre, c'est tout. Voilà. En gros, je me devais d'amortir cette pièce, quitte à ne pas l'exposer chez moi, dans ma collection, au moins en faire une vidéo dans notre vidéothèque. Ça fait mieux passer la pastille. Tout commençait si bien avec cette belle boîte et tout. Magnifique, enfin la boîte des plus. Il y en a deux, quoi. Il y a celle-ci et une autre que vous découvrirez à moyen terme, d'ici quelques mois, en tout cas pour cette saison-ci. On commence à boucler gentiment la saison qui se termine, je vous le rappelle, au mois de juin. Mais c'était. On va leur lâcher là. Tu peux lâcher. Si ça sort pas. C'était Superman de chez NECA qui intéresse Andrés. Lui avait aimé cette pièce-là. Moi, même chose. Comme celle-ci, j'ai jamais accroché. Elle est aussi au garage. Et elle remontera à la surface comme Jack Sully. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés. Rien d'autre à ajouter. Non. Tu veux pas me l'acheter? Pas celle-là. Superman, on en parlera un moment. Voilà. Ça fait des années que j'embête avec ça. Mais Superman, on en parlera. Mais Avatar, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Beaucoup de détails. Notamment le socle qui m'a. Pour moi, ils auraient fait, comme tu dis, 10 fois mieux. Mais voilà. Dommage. Mais bon, si vous avez aimé quand même la pièce, un like. Un like, laissez votre petit commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. C'est peut-être nous qui sont en demandant de trop. On s'est trop bien habitué. Là, c'est vrai que dernièrement, on a eu du Blitzway avec le parrain et Basic Instinct. Alors forcément, quand on remet ça, il y a quelque chose qui coince. Enfin, vous laissez votre avis. C'est toujours un plaisir pour nous deux de vous lire. Et voilà, likez, venez rejoindre nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner, partagez le groupe, on vous attend toutes et tous les bras grands ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite, et toi, tu retournes dans ta boîte, t'auras quand même eu ta vidéo. Ciao.